C'était juste une blague, Anna. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum ! L'effet papillon. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Arrêtez ! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, d'accord. T'as entendu ? Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux ! Jess ? Jess ! Offrez entièrement à la volonté des autres, sublimant chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, oh, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui? Ok, Esprit, es-tu là? Eh oh! Décrochez, Esprit, Esprit du téléphone. Abracadabra. Arrête. Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main ou les gars, un signe de croix. Bon, si vous continuez pas sérieusement. Ok. Esprit, es-tu là? Quel que soit l'endroit? Attends une minute. C'est toi qui fais ça? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Mais comment c'est possible? C'est toi qui le bouge? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide? Comment on est censé aider? J'en sais rien, ça veut dire quoi? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Comment pouvons-nous t'aider? Ça bouge encore. Wow. Qu'est-ce que ça épelle? Attends. Ça bouge vite. Attends. Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention. Je pense que nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. De quoi essaies-tu de nous avertir? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur?
La sœur de qui? Oh, arrête, t'es sérieux? La ferme. Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors? Ashley, demande-lui qui elle est. À qui parlons-nous? Bess? C'est toi? Oh, bon sang! C'est n'importe quoi. Josh? Tu... Ça va. T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment de Bess, on va... peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Oh, ok. Bess, on veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu peux nous raconter? H. A. N. N. Ça s'appelle Anna. Attends, ça continue. T. U. E. Oh, c'est pas vrai. Tu es... Les gars, mais de quoi ils parlent, là? Je sais pas si je peux continuer. Il le faut. Garde ton calme. Je pense que ça veut dire que quelqu'un a tué Anna. J'en sais rien. Bon, alors, pose-lui d'autres questions. Ok. Ok. Qui a tué Anna? Qui c'était? B. I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. U. Preuve. Il y a une preuve. Dans la bibliothèque. Ah quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, hey, du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien... J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. C'est vraiment pas drôle. Jess? Jess, t'es là-dedans? Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois... Ah 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 oh, bordel! Non! C'était trop drôle! Mais non! Attends, faut que tu vois ça! Je veux rien non, voir! Non, Mike! Non! Quoi? T'as filmé ça? Regarde ta tronche! J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Tu quoi? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. Bon, ok. T'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon... J'ai gagné, comme d'hab. T'as raison, chérie. Non, vas-y, pleure, Roméo. Ça mène à rien. Waouh! Cet endroit est une véritable merveille enneigée. Je suis super surprise. C'était quelqu'un qui criait? Non. Sûrement un écureuil ou
Je ne sais pas. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Hé, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Oh. Ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux? Ce sera bientôt fini. Go! Go! Oh putain, c'était quoi ce truc? J'en sais rien! Viens, amène-toi vite! Reste sur le chemin, on y est presque! Mike, mais qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien! Jess! Jess, lève-toi, vite! Vite! Ah la vache! Ça va passer loin! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Ah, typique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme, devant un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike. Ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Ma lady. Mike! Quoi? Oh, merde! Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu! Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah, merde. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on ne devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. L'homme 1, le feu 0. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite? Je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas, c'est juste que je le sens pas encore. Il faut... Peut-être qu'on se lance, tu vois. Comme pour sauter dans une piscine. Quoi? Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, s'ploter et voir où ça nous mène. Sérieusement? Et tu pensais que ça marcherait? Ça fonctionne toujours. Obsédé.
Mike, les volets. Quoi, les volets? Tu peux les fermer, s'il te plaît? Tu sais, il y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi? Tenir bon? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Jess, tu plaisantes, j'espère. Quoi? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais... tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Essaie de trouver une couverture et on pourra se blottir au coin du feu et... tenter de savoir si tu es plus mignon que con. Ok. Wow. Madame, vous avez commandé une couverture. Et pour vous, monsieur? Je veux quelque chose de doux, de chaud et de nu. Je pense que l'on peut trouver ça. Mike, c'est quoi ça? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite! C'est ton téléphone! Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est... passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain! Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque-là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Hé! Hey! Ouais, connard! Oui, vous! Je sais que vous êtes là! Parce que Michael et moi, on va baiser! Et ouais! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud! Alors profitez-en! Parce que je sais que nous, on va bien en profiter! Oh, mais c'est pas vrai! Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Oh, merde! Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde! Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton. Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Oh, la porte s'ouvre. Ça devient bizarre, là. Et dans un film, là, ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, est-ce qu'on jette un œil? Ouais, après toi. Non, 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 non. Toi, t'y vas. Super, merci. Bah non, y a pas grand-chose par ici. T'as bien regardé partout?
On va pas suivre les ordres d'un plateau de spiritisme. Mais ça disait la bibliothèque. Ah, y a rien ici. Allons trouver Josh, d'accord? T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Josh! On arrive, viens bon! Ashley! Ash? Ash! Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins? Un peu trop garce à votre goût? Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive. Pensez-y. N'est-ce pas un peu comme vous? Ah, une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make you.